personne dehors. Oh, je vous en supplie. Allez, on vous surveille. Et maintenant tu vas partir, tous les deux nous allons vieillir, chacun pour soi, comme c'est triste, tu peux remporter le phono, moi je conserve le piano, je continue ma vie d'artiste. Plus tard, sans trop savoir pourquoi, un étranger, un maladroit, lisant mon nom sur une affiche, te parlera de mes succès, mais un peu triste, toi qui sais. Tu lui diras que je m'en fiche. Oui, dans la campagne où vous pouvez écouter de la musique tranquillement. Tranquillement. Vous savez, la campagne n'est pas si tranquille que ça. Il y a un esprit à la campagne qui s'appelle la motoculture. Thank you.
jamais. Mais je comprends, moi, la colère. Et donc, il faut un peu de silence avant cette question-là. Vous disiez que c'était il y a 20 ans, ça se faisait beaucoup. Le prénom de Maurice. 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 Maurice Fried. Ouais. Maurice Fried. Il avait 3 ans de plus que moi. Maurice. Pourquoi tu m'as dit, ah, t'as vraiment un air de famille ? Parce que. Oui, mais d'accord, mais de qui, de quoi ? Des gens que j'ai connus de ta famille, quoi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire Gustave. Ah. Tac ! Fini ! C'est surtout lui que j'ai connu, hein. Ouais. Gustave. Ah bon. Et puis ton cousin. Tac ! Fini ! Didier. Tac ! Fini ! Et l'autre cousin. Tac ! Tac ! Tac ! Fini ! Et alors, ça se... Ça se voit. Non mais d'accord, d'accord. Mais ça se voit comment sur le physique ? Comment tu dis, la forme, ça se ressent, quoi. La forme, quoi, on se ressemble. Mmh. Il a été arrêté par la Gestapo au domicile, proprement au domicile. C'est à Nancy. À Nancy, oui. Quelle rue ? Rue Saint-Dizier. Rue Saint-Dizier. Rue Saint-Dizier, au numéro 100. 100, 100 rue Saint-Dizier. Et il est allé à la prison Charles III. Et là, ils ont été rappelés 3 mois après. Voilà les conditions d'arrestation. Et le vendredi soir, on allait manger chez ton grand-père. Tous les vendredis soirs, on y allait. Et puis, paf, voilà. Quand je suis paf, 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 j'ai l'œil contemplatif, tif, 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 mais j'ai la bouche en staff, staff, et mes tif, tif, on le taf quand je suis paf. L'irriguchi no tobira no shita kara kaze ga fukikonde, ishidatami no ue ni wa hokori o karuku hashiraseta. Charles no me wa その埃の動きを追っていた。彼の耳には頭の中がズキンズキンなるのと遠くの庭で卵を産むメンドリの鳴き声が聞こえるだけだった。エマは時々寮の手のひらでほてる頬をじっと押さえ、またその手を大きな巻き台の金具で増やしていた。
Les corbeaux sont là. Il n'y a pas tellement de mouettes en fait à Tokyo, il y a beaucoup de corbeaux. Et bien en face, il y a la rivière Onigawa qui rejoint la rivière Sumida et après on va au port sur la gauche. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Alors voilà, nous sommes sur le pont de l'Onigawa River. Et l'inscription que vous voyez, le pont a été offert par la ville de Cologne, au Japon. En quelle année, je ne sais pas du tout. C'est un pont qui était construit sur le Rhin. C'est un pont qui a été offert aux Japonais. Alors, je préfère pas savoir à quelle année, parce que j'ai bien peur de savoir un petit peu pourquoi, mais... Voilà, c'est un pont qui a été offert par la ville de Cologne à la ville de Tokyo. Et donc la rivière Onigawa est là. Et nous allons rejoindre la rivière Sumida qui se trouve plus loin. Sur la droite, c'est la fin de la rivière Onigawa. Et sur la gauche, c'est l'arrivée de la rivière Sumida. Et quand on va vers le cadre, vers la gauche, on va vers le port. Et juste en face, je ne sais pas si c'est très bien visible, il y a un petit monticule, c'est un petit jardin, et c'est la maison du fameux poète Basho. Ce que je sais, c'est que Basho avait une grande envie de nord, du nord. Il ne supportait pas beaucoup le climat, qui était effectivement, j'en témoigne, un climat un peu humide, venteux et chaud. Donc il avait une espèce de mystique du nord. Donc il a pris son bâton de pèlerin, il a fait le contraire des pèlerins de Compostelle. Et il en a fait une philosophie de la vie, aller vers le nord. Dans les cimetières, il n'y a pas que des veuves. Il y a des allongés qui n'ont plus de métier. Et c'est bien comme c'est. Tu meurs ? Moi pas. Quand je mourirai, ça va changer. J'aurai plus aucun fret de blanchisseuse. Et j'aurai pour jeûner la dent creuse. Tu meurs ? Moi pas. Quand je mourirai, ça va changer. Et quant au pépé, en roncasse, baissé, puis qu'à me ramasser, à moins que je puisse grimper. Tout à la main, fait main, cousu main. Façon de ne pas finir enfin, cousu main. Bah oui, après tout, pourquoi pas. C'est professionnel de la profession. Et c'est depuis ce temps, ma chère, et c'est depuis ce temps, ma chère, qu'on l'appelle le roi des cons, qu'on l'appelle le roi des cons, au voleur et à l'assassin, il n'en voulait qu'à mes seins. Trouver sa mort, sans doute. Trouver Basho, oui, peut-être. Possible. Une nouvelle langue, des nouveaux mots. Nouvelles paroles. Dans Manon Lescaut, ça. Dans Manon Lescaut de Puccini. Reviens-moi avec de l'eau, parce qu'elle a soif, elle est dans le désert. Et reviens-moi avec de l'eau et des paroles neuves et des mots nouveaux. Nuove parole. Peut-être ça que Basho me... Pour ça que Basho me convoque ce soir.
Et alors on revient toujours. On revient toujours sur le lieu du. Non pas du crime. Oui, je reviens sur la mort de Jean-Claude Biette. Qui était un bon compagnon. Oui, la mort de Biette m'a... La mort de Jean-Claude. Je ne l'ai jamais appelé Biette, d'ailleurs, je l'ai toujours appelé Jean-Claude. Oui, il m'a fichu un coup de massue. Le corps est injuste. Tu fumais pas, il buvait pas. Il vivait comme un moine. Voilà, t'as un plan pour lui peut-être. Un plan pour Jean-Claude. Voilà. C'est un plan sur la rivière Onigawa. Et donc c'est derrière moi qui est l'embranchement avec la Sumida pour aller vers le port. Et il aimait, Jean-Claude aimait beaucoup Stravinsky et il est étrange hier. Je regardais la télévision bêtement, le Weekly Mansion. Enfin bêtement, non, l'émission n'était pas bête du tout. C'est une émission sur les salles de musique à Tokyo et il y en a beaucoup plus qu'à Paris. Les habitants de Tokyo sont beaucoup plus musiciens, mélomanes, que les habitants de Paris. Et pour illustrer l'acoustique de... Enfin, illustrer, je crois pas que ce soit le mot, non, illustrer, non. Pour faire entendre l'acoustique de du Century Hall, Charles Dutoit a dirigé le Pulcinella de Stravinsky et Biette. Mais beaucoup Pulcinella. Oui, en parlant de ça d'ailleurs, je m'aperçois d'une chose, c'est que l'éloignement linguistique, enfin non, linguistique c'est pas le mot exact, c'est l'éloignement langagier de la France me rend beaucoup plus attentif à ma vieille langue française là, que j'avais tendance à non pas du tout à mépriser, oh là là, loin de là, mais à ne plus entendre à cause du bavardage. Du bavardage, du superflu, du concept UL, UBL. Du bavardage journalistique, de la rumeur qui me fait peur. La France me fait peur, oh oui. On s'en fout, et moi je suis mort. Saluons l'année nouvelle avec joie, car c'est à présent de la bonté de Dieu. Page 104. Un coup de ton doigt sur le tambour décharge tous les sons et commence la nouvelle harmonie. Un pas de toi, c'est la levée des nouveaux hommes et leur en marche. Ta tête se détourne, le nouvel amour. Ta tête se retourne, le nouvel amour. Change nos lots, crible les fléaux, à commencer par le temps, te chantent ses enfants.
Élève n'importe où la substance de nos fortunes et de nos vœux. On t'en prie. Arrivé de toujours, qui t'en ira partout. Il avait prononcé son nom à l'allemande, avec le I comme I. En japonais, amour se dit I. Ça lui faisait mal, en effet. Il ne savait d'ailleurs pas exactement où elle était. Il préféra quitter la cérémonie, le cimetière, et passer son chemin. Il n'eut aucune peine en sortant, serrant dans sa poche l'enveloppe jaune. Cette lettre comme une bouteille à la mer. La ligne d'horizon comme une fin du thé. Le cabinet de moins en moins déserté. La blouse blanche jetée dans un coin. Le cabinet comme un décor, un atelier comme un théâtre. On a refermé le cahier bleu qui ressemblait à une tombe. Bleu. avril 18, 2007, mort de Thierry Kunzel. Que, pendant un moment, Dieu le retire sa main puissante, il succombe. Balzac, Paris, mars 1830. Adieu. Cette prison!
Oui, donc je reviens sur la mort de Thierry Kunzel. Qui est mort à quelques jours d'ici, il y a 2 ans, en avril, à 59 ans. Et nous sommes aujourd'hui le 24 avril 2009 et j'ai 59 ans. Trempa son pouce droit dans l'huile et commença les onctions. D'abord sur les yeux, qui avaient tant convoité toutes les somptuosités terrestres. Puis, sur les narines, friandes de brises tièdes et de senteurs amoureuses. Puis, sur la bouche, qui s'était ouverte pour le mensonge, qui avait gémi d'orgueil et crié dans la luxure. Puis, sur les mains, qui se délectaient au contact suave, et enfin, sur la plante des pieds, si rapide autrefois quand elle courait à l'assouvissance de ses désirs et qui maintenant ne marcherait plus. Le curé s'essoya les doigts, jeta dans le feu les brins de coton trempés d'huile et revint s'asseoir près de la moribonde pour lui dire qu'elle devait à présent joindre ses souffrances à celles de Jésus-Christ. Et s'abandonner à la miséricorde divine. Quand Tomoko, réveille-toi s'il te plaît. Tomoko. Ah bon? Enfin, tu meurs avant moi? Je voulais te chanter une petite chanson là. Ah bon? Quand je serai KO. Ah non, tu veux plus l'écouter. Hein. Ah bon? Oh ben, tout le monde n'est pas mort quand même. Il était un petit cheval blanc, tous derrière. C'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant. Il n'avait jamais connu le printemps.
tous derrière, tous derrière. Ils n'avaient jamais connu le printemps, tous derrière et lui devant. Et c'est un beau jour de mauvais temps, tous derrière, et c'est un jour de mauvais temps, tous derrière et lui devant, qu'on lui a demandé. Quand je vous disais que la Sumida pouvait être rouge, vous me croyez maintenant? Les bruits de la terre. L'infini. Allez, salut les petits vieux.